si, c'est la Coupe du Monde. Ah, vous aimez le Congo ça, hein? Quand c'est le Congo ça, vous êtes présent. Arrêtez. Connectez-vous, mon ami. J'en ai pour 30 minutes, pas plus. Appelez-moi Mato Zouache ou pas. Toi qui es venu parler là, je vais un peu te donner un peu l'extrait. L'extrait de ce qui va se passer. Vous voulez entendre que vous aimez souvent prendre la défense des gens là. Vous voulez entendre un peu. Viens entendre un peu ce qui sort de la bouche de ta copine. Ouais, parle avec preuve. Je parle pas, je n'invente pas. Appelez-moi Zoé, viens ici. Bipez là, s'il vous plaît. Je vais mettre quelques voix. J'en ai au moins 2000 voix. Donc, je vais mettre juste, parce qu'elle est venue parler là. On dit les brebis égarés là. Je vais te faire écouter un peu. Appelez-moi Zoé, viens. On dit c'est la Coupe du Monde et on n'a qu'à jouer ballon. Et mon ami là, dans ballon, il n'y a pas palabre. Mais pourquoi tu insultes ma maman? Mais pourquoi tu insultes ma famille? Allez tété, allez tété, allez tété. On dit c'est la Coupe du Monde et mon ex-fleuve joyeuse. Et ma copine là, dans ballon, il n'y a pas palabre. Mais pourquoi tu inventes les histoires? Pourquoi tu racontes tout ce que tu racontes? Allez, vérité, 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 vérité. Ça blesse, mais ça tue pas. Oh. Bipez-moi Zoé, viens un peu. Bipez-moi Zoé, elle vient. Tout le monde qui va parler ici veut lui donner son karma. J'ai le karma de tout le monde. De tout le monde. Donc la personne qui va vouloir défendre ici, je mets dans les faits accomplis. C'est ça qu'il s'agit. Wow. On n'est pas là pour négocier avec les terroristes. C'est de ça qu'il s'agit. On est là pour dénoncer les choses. À un moment donné, il y en a marre. À un moment donné, il y en a marre. Quand on dénonce, il faut aussi accepter. C'est de ça qu'il s'agit. On m'a lapidé ici. On m'a donné les noms ici. J'ai pris sur moi. Oui, je vis que je déverse. Oui, Pauline, tiens, je ne te bloque pas, mais tu vas souffrir de dire, d'écouter la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Tu vas souffrir d'écouter ce qui sort de la bouche de votre star d'État. D'accord? On ne chie pas. Chez quelqu'un qui t'a donné à manger. On n'y chie pas. Chez quelqu'un qui t'a ouvert les portes quand tu en avais besoin. D'accord? La vérité, ça tue pas. Ça fait mûrir un être humain. D'accord? Et dis, je vais traiter. C'est pas un humain, ça. Je vais traiter cette espèce. Caïman mal placé, je vais te traiter. Moi, je n'invente pas les choses. Tu vas inventer tout ce que tu veux inventer. Mais moi, je parle avec preuve. Et pour les gens qui disent que j'enregistre les gens, je n'enregistre pas. Quand tu parles sur WhatsApp, quand tu envoies les voices seraient, ce n'est pas l'enregistrement. Je suis désolé parce que tous les échanges que j'ai eus avec elle, elle aussi, elle a mes échanges. C'est trop simple. Qu'elle mène mes échanges. Quels sont mes échanges? Quand tu envoies un message à WhatsApp, le message il reste, ça peut rester 10 ans. C'est de ça qu'il s'agit, ce n'est pas un enregistrement. Quand vous appelez quelqu'un sur WhatsApp, quand la personne ne décroche pas, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez le message. Et c'est de ça, parce que moi, en fait, j'ai commencé à en avoir marre. J'ai ma vie privée, on m'appelle à 2h, 3h, 4h, 5h. Oh, je ne suis pas un esclave, je n'appartiens pas à quelqu'un. Aider quelqu'un n'est pas être synonyme d'esclavage. Je le fais quand je peux. Bon, si j'ai mes problèmes. Mate Chopa, viens ici. Et je sais pas,
René Star de Lille vient aussi ici écouter. Serge le mignon de Lyon. Le mignon, la force tranquille. On va jouer ballon. Et dans ballon-là, il n'y a pas palabre. Quand on joue au football, il y a toujours un gagnant, non? C'est de ça qu'il s'agit. On doit voir le gagnant. Moi, je ne vais pas entrer dans ton délire, insulter ta pauvre maman là qui n'a rien fait dans nos histoires, insulter tes enfants. Je suis là juste pour dire la vérité. D'accord? Je suis là pour dire ce qui s'est passé. Parce que nous, les Camerounais, là, on est tellement aigris. Quand c'est pour demander le service, on te donne les éloges. Mais quand tu arrêtes de rendre service, tu deviens le méchant, tu deviens le sorcier. Ah, mon frère, ce cabri-moi encore peur de mourir, mon frère. Appelez-moi tout le monde, là, vous venez. Si vous n'appelez pas là, moi, je ne fais pas mon direct. Hein. Appelez-moi Zoa. Tout à l'heure, elle est intervenue dans mon direct, là, où elle disait, c'est que j'arrête ça. Viens écouter. C'est pas moi, c'est la voix de ta copine. J'ai dit, toute la semaine, là, je vais vous faire entendre les choses. Parce qu'on dit, quand tu pars en guerre, là, rassure-toi que tes munitions sont chargées, tu as les réserves. Je suis armé à jamais. J'ai dit, je suis plus que armé. Mon ventre, ce n'est pas la banque, mon frère. Même à la banque, quand tu mets l'argent, tu retires. Je n'ai pas envie de mourir bête, mon frère. Je te verse. Parce que quand tu fais la guerre, est-ce que tu es là pour titiller la personne? Tu bombardes. C'est de ça qu'il s'agit. La prochaine fois, quand quelqu'un va vouloir venir s'égarer, il va réfléchir cette fois d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. On le reste là, je ne gère pas. C'est ça. Moi, depuis là, je fais que sortir l'épreuve et tout. Quand elle m'envoie ses voices là, elle aussi, elle a mes voices. Je t'ordonne de mettre mes voices. Je pense que tout à l'heure, j'ai capté deux ou trois voices. Où tu m'avais dit de supplier l'abbé Samé, tu m'as tout ça, je vais mettre là, vous allez entendre, que cette femme, c'est une menteuse. Elle est d'une bipolarité incroyable. Elle ment, elle raconte du n'importe quoi. Quand elle voit qu'elle n'a plus d'arguments, elle est obligée de mentir. Mon frère, je suis avec toi. Tu as eu affaire aux gens. Moi, je dis toujours que quand moi, je passe sur Facebook, là, je détruis. Je suis ça, même. J'ai souvent pitié de mes messieurs. Parce que quand je regarde, je dis, putain, je vais te faire avoir honte, pas possible. Moi, depuis le début, là, c'est toi qui m'as amené sur les réseaux sociaux, tu vas supporter. Mets les voix, mets mes voix. Moi, depuis, je fais que mettre tes voix, mets mes voix. Et c'est pas possible. Tu fumes ta drogue, on te dit, moderne un peu. T'es pas obligé de fumer ça. Même les gens qui ont les moyens, quand ils fument, à un moment donné, ils arrêtent. Après, tu deviens accro. Si tu prends pas ça, tu peux pas vivre. Moi, j'ai vécu avec toi 2 ans, je connais. Je connais. Les amis, bipez les autres, non? Il faut qu'ils viennent aussi écouter les voix. Pourquoi vous êtes chiches comme ça? Appelez-moi celle qu'on appelle Zoala. Tout à l'heure, là, elle est venue parler des histoires qu'elle ne connaît pas. Partagez à 500, je mets les voix et puis on vous écoutez. J'ai 40% de batterie, donc si ça s'arrête là, ça serait de votre faute. À la guerre comme à la guerre, j'ai assez de munitions. Mes munitions sont chargées. Ça peut détruire tout un pays, mon frère. Hein, mes gens? Elle n'est pas traumatisée. Je vais la traumatiser. Vous connaissez ce qu'on appelle traumatiser quelqu'un? Je vais traumatiser cette femme. Il dit, arrêtez, arrêtez. Vous êtes toujours là, vous salissez les gens et tout. Mais quand on repose, il faut laisser. Je ne laisse pas. Il dit, c'est ma chèvre. Oh, le Dimingomsi. Mon voisin du quartier. C'est comment, frérot? Tu as vu dans quel état met ton frère? Dans quel état met ton frère? Il faut toujours aider les pauvres, les gens qui sont sans scrupules.
ça retombe sur toi. Je vais traiter ton faux coffre là. Je vais te montrer que j'ai grandi dans un quartier bizarre, bizarre. Connectez-vous. Tu as bloqué mon autre compte, non? Tu ne sais pas que je suis d'abord un danger. J'ai au moins 30 comptes. Même si on bloque le compte, si je fais un autre, je dirais dans un autre compte. Je suis le Poutine des réseaux sociaux. Il dit ça, roi. Voilà, je parle pas, mais mes bras sont longs. Voilà, et ça tue pas, oh. Ça tue pas. Il y a plein de gens avec qui je traite, ça fait 20 ans, 30 ans ensemble. On n'a jamais eu de problème. Un problème qui a commencé dans un groupe WhatsApp, tu viens insulter tout le monde, et quand tu t'amènes à la raison, mon frère, tu insultes la personne qui crée le groupe, tu dis à la personne qui va voir, tu m'amènes sur Facebook, je ne dois pas répondre. Ah, c'est très bien, c'est facile de dire, il faut laisser, il faut laisser. Si vous ne vous partagez pas 500, là, moi, je ne parle même pas. Ma batterie reste 39%. Donc, si ça s'éteint, c'est vous qui vouliez le diapason, c'est vous qui vouliez la vérité. Donc, moi, je connais la vérité. Et il y a plein d'autres personnes qui connaissent déjà la vérité. À chaque fois qu'elle va parler, elle va mentir, je vais sortir des preuves. Vous allez comprendre que même être bipolaire, là, c'est une maladie. Partagez le live. Il me reste 38%. Donc, si ma batterie là s'éteint, ça serait chaud, quoi. Partage encore. Appelez Zoa, s'il vous plaît. Je vous appelez René de Lille, là, il vient pas entendre. Vous m'avez accusé ici partout que j'ai publié que je publie les femmes. Vous m'avez accusé que je publie la nudité des femmes là. Vous allez entendre vous-même. Une femme qui publie ça, une femme qui a la chatte comme elle est publie. Vous allez dire que la femme, elle est normale. Ce n'est pas hanté, ce n'est pas le démon à elle là. Ce que c'est quoi? Hein? La personne qui va venir me dire de laisser vient avec les 10 000 euros que j'ai investis sur elle. Frère, quand tu investis, c'est pour avoir les intérêts. Donc ça, c'est ma marchandise. C'est 10 000 euros. Donc la personne qui vient me donner 10 100 euros, je laisse la faire. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. La personne qui vient me donner 10 100 euros, je laisse. J'ai investi. C'est comme ça. Je suis pas là. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas milliardaire, mon frère. Moi aussi, je suis venu me chercher comme tout le monde. Donc je ne peux pas investir quelque part. On me manque de respect. On dit quand tu investis sur quelque chose, même si tu vois la chose là est en place et que ça ne marche pas, moi, tu es content de ce que tu as fait. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour tous les brebis garés là qui vont se perdre de faire le même fuck-off que la veuve là, vous serez traité de la même manière. Moi, je ne donne pas le lait, je n'ai même plus le lait à donner. Donc la personne qui se gare vient mal. Donc avant de prononcer mon nom quelque part là, faut remuer ta langue 7 fois. Parce que Facebook, là, tout ce que vous faites là, je suis au contrôle. Je contrôle ça. Je connais. Moi, je suis un sac de gars. Il dit tout ce que vous faites sur Facebook, là, je contrôle. Donc, la personne qui se perd, où je suis là dans mon faux profil, je fais le tour, je contrôle. Donc, la personne qui s'égare, moi, j'avertis toujours. Quand les retombées tombent, là, il ne faut même pas qu'on vienne dire, papy, il faut laisser. Parce que moi, j'aime avertir. Parce que si vous avez les conseils à donner, allez donner ça à vos putains de familles, là. J'ai une famille, hein. Ma famille, ils sont sur les réseaux, ils voient tout ce que je fais. Parce que ton père qui t'a accouché, là, il te connaît mieux que tout le monde. Donc, pour ces personnes-là qui viennent dire, ils viennent me juger, là, je m'en bats la race. Je m'en bats le nier. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas m'aimer plus que ma famille. Vous ne pouvez pas m'aimer plus que mes enfants. Donc vous là, je pisse sur vous là comme le portier porta. C'est ça qu'il s'agit. Quand vous-même, vous me prenez là, vous me lavez, vous m'avez qualifié, je ne sais pas de quoi et tout, mais je suis toujours solide, je suis toujours là. Et c'est toujours vous qui venez me demander les services. Voilà. Donc avant de prononcer mon nom là,
même dans les pensées, même si vous êtes seul là, je vais vous hanter là, je vais vous. Ah, enfin, on ne sait même pas qui vous a fait. On ne parle pas, je ne cherche pas les problèmes. Je ne suis pas propre. Donc, je suis dans mon coin et c'est toujours vous qui venez me demander les services. Et d'ici, il faut que je laisse l'affaire là, vous me donnez. Ma personne, Lolita, tu dis aïe, hein? Là-bas, tu ne dis pas aïe, mais si tu viens dire aïe, et dis, vous me donnez mes 10 100 euros, je laisse l'affaire. J'ai investi là-bas. Donc, vous me remboursez, je laisse l'affaire. Et dis, elle et moi, c'est jusqu'à la gare. Je n'invente pas les histoires comme elle, elle invente, parce que c'est une manipulatrice. Et ça, vous allez entendre tout à l'heure. C'est une femme qui, elle organise un scénario en 5 minutes. Elle essaie d'étudier, elle connaît, elle met ça en pratique. Moi, je suis pas dans le faux. Frère, vous voyez mes enfants grandir, c'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, je ne gère pas. Et ça tue pas. Oh. On dit quand tu veux faire la guerre, il faut être résistant. Bon, madame, je ne peux même pas laisser. Qui va laisser l'histoire ici? J'ai dit demain là, je mets les voix de Aline Zomo. Mardi, je mets pour Nadège, je ne vais pas. Mercredi, je mets pour Lolo. Je vais mettre pour tout le monde. Chacun. Donc, toute personne qui m'a appelé pour négocier, je vais les mettre dans les faits accomplis. Tout à l'heure, j'ai mis pour Flore, non, de Lille. Maintenant, elle va rester tranquille. Elle est comprendre que cette femme-là, elle a une haine. Elle a une méchanceté. Elle a une méchanceté. Vous qui la supportez là, mais vous serez déçus. Parce que si on vous donne cette femme pendant 1 heure de temps, vous ne pouvez pas la supporter. Moi, j'ai supporté pendant 2 ans. J'ai supporté pendant 2 ans. À un moment donné, il y en a marre. Tu peux pas être avec un enfant, tu vois l'enfant faire des bêtises, tu redresses l'enfant, l'enfant se fâche parce que tu lui as dit la vérité. Oh, à un moment donné, oh, frère, tout le monde est impulsif, tout le monde a son côté animal. Mais oh, arrêtons un peu. Et de sur quoi la personne ne te donne rien. Faut un peu calmer aussi assez. Moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. Je suis venu aider les gens ici en France. Quand je venais en France, là, je suis venu avec quelqu'un. Ou quand je venais en France, on m'a dit que tu devais aider les gens. C'est pas possible. Bon, je vais être gentil avec vous. On va démarrer. Hein. Je sais pas, il y a tellement les votes là, j'ai mis ça comme ça en désordre et tout. Après, je saurais pas choisir. Là, ici, je vais convoquer Mato Chopin-Azoua. Tout à l'heure, j'ai vu que tu as intervenu dans le direct, tu dis oui, oh, laisse ça, laisse ça, laisse ça. Donc, je vais te faire entendre ce que cette femme, que tu as pris son parti, tu as pris son parti tout à l'heure, a dit de toi. Vous m'avez accusé ici que j'ai partagé les photos des femmes. Vous allez entendre comment une femme me demande d'envoyer la nudité des femmes pour publier. Ça, j'ai envoyé, je ne refuse pas, mais c'est elle qui a partagé, c'est pas moi. Je suis désolé parce que moi, je ne fais pas la saleté. Ok, bon, écoutez, on va commencer. T'inquiète, Bon, t'inquiète. voilà. Et aussi, quand elle avait eu les problèmes avec l'abbé Samé, j'ai appelé l'abbé Samé, on a causé. Il y avait des moments où je n'arrivais pas à la voir, je lui envoyais les voix. Et vous allez voir le retour. Parce que l'abbé, on l'a toujours connu comme quelqu'un qui est mal élevé et tout, mais pourtant, il n'est pas mal élevé. Quand il a eu le problème avec la veuve, j'ai appelé l'abbé, je lui ai parlé, sachant qu'on a eu des antécédents auparavant. Il m'a écouté. Il m'a donné mon respect et il m'a dit, il a compris. Tout ce que j'ai fait, elle a eu les problèmes avec tout le monde. J'ai toujours été le médiateur à arranger ses problèmes. Aujourd'hui, elle s'élève, elle veut venir s'attaquer en baobab comme moi. La veuve, tu es mal tombée, ma chérie. Et j'ai même pitié de toi parce que tu me fais la peine. Mais on dit à la guerre, c'est comme à la guerre. Il n'y a pas de pitié à la guerre. Bon, je vais commencer avec les voix. Okay. Ça, c'est quand je parle à J'ai l'abbé. vraiment écouté le direct, ton intervention et tout, donc je suis squatté, je suis connecté, à 18 h je serai là. J'espère également que la veuve va rentrer entre de meilleurs sentiments et puis les choses vont aller entre tout le monde. Moi, c'est mon soin, même quand je tire sur elle, ce n'est pas que c'est méchant, c'est parce que parfois elle en fait de trop et puis elle pousse les gens à bout. Donc, si elle reconnaît ses torts, je vais reconnaître les miens, je pense que ça va suivre ainsi. Non, merci papy, profite bien et puis bon dimanche à toi. Coucou, merci ma personne, merci. Merci. Toi aussi, laisse. Laisse.
Tu vas remettre ça à Facebook, toi aussi. Je n'aime pas. Ça, c'est quand elle me demande la nudité de René. J'envoie les trucs à la veuve et la veuve publie. Écoutez bien. Pas les moralisateurs. Tu devais déjà être où? Tu devais être ici, non? Tu es où? Je te vois pas. Hein? Toi aussi, quand tu dis que machin, tu es là, tu peux être là. Tu n'es pas là. Tu vois que. Dis donc. Tu les vois, cela. Je vais encore bien écouter ça tout à l'heure, comme je dors là. Les autres, parce qu'il y a des choses qui sont dedans, d'autres sont inutiles dedans, et puis d'autres sont, passent en boucle. Donc, il va sélectionner le nombre de vidéos qu'on va mettre. En tout cas, tout à l'heure, je vois ce qu'on va mettre. Tu sais, quand je donne pas tous les indices, non. Ok. Il y a ça, ça y a même beaucoup. Oh. Maman, non, papy, et c'est elle qui vient bavarder fort. Aïe, vraiment, ça là. Parce qu'on ne dit pas non. Quand tu sais que tu as le truc sali comme ça dehors, ce n'est pas toi qui te. Elle ne peut pas venir t'insulter tout le temps ou m'insulter. Hein? Regarde alors maintenant, on va faire comment? Parce que moi, je veux partager tout ça. Je veux partager aux gens. Hush, ça. Non, ça parle là. Ça parle là. Hush. Vous entendez bien, hein? Vous entendez? Je lui envoie les photos. Elle, écoutez ce qu'elle dit. Hein. Écoutez bien. Hein. J'espère que vous écoutez. Oui, prend les trucs. Elle balance ça. C'est elle qui publie la fille de Truy. Jusqu'au jour où elle m'a collé l'étiquette. On dit toujours la vérité finit toujours par triompher. Écoutez bien. Hein. Elle sélectionne. C'est elle qui dit ce qu'elle va poster. Je ne dis pas non. Quand tu sais que tu as le truc sali comme ça dehors, ce n'est pas toi qui te. Elle ne peut pas venir t'insulter tout le temps ou m'insulter. Hein, regarde alors maintenant, on va faire comment? Parce que moi, je veux partager tout ça. Je veux partager aux gens. Hush, ça. Non, ça parle, hein. Ça parle, elle. Hush. En tout cas, moi, je suis en train de dormir. Je dors. À ce soir. En tout cas, tu es vraiment au laboratoire. On va la traiter. On va la traiter ce soir. T'inquiète. Et rien ne m'a réveillé là. Je veux sortir faire quelque chose là. J'ai oublié quelque chose là-bas dehors. On va la traiter. T'inquiète. C'est moi, tu vois comment nous avons. Bon, maintenant, Zoa, voilà ta partie. Parce que quand vous ne connaissez pas, vous êtes toujours en train de dire que vous maîtrisez, vous ne maîtrisez rien. Tout à l'heure, tu es venu dire, papy, laisse ça. Voilà ta partie ici, Zoa. Comme tu es toujours là, tu as acheté tous les problèmes là. Tu es là, ta vie te dépasse là-bas, tu es en train de mener des affaires des gens qui ne te regardent pas. Écoute bien. Après, quand tu vas écouter ça, mercredi, je vais te sortir au moins 20 voices. On est en train de préparer ton cercueil. Parce que tu es toujours là, tu es toujours en train de te mêler dans toutes les histoires qui ne te concernent pas. Écoute bien. Hein? Écoute bien. Oui, c'est moi. Tu vois comment nous avons insulté. Envoie-moi la vidéo que tu m'avais montrée là. Là où elle fait le pénis comme ça. Je ne veux pas montrer à Facebook. Je ne veux pas partager avec quelqu'un. N'est-ce pas là que je laisse toi? Hein? Là aussi qu'elle commence à m'insulter encore. Voilà ce qui m'insulte, non? Tu ne dis rien, papi. Non. Vous entendez bien, je vais dire que je suis ton père, je suis ta mère, la veuve. Quand tu vas chercher les problèmes là-bas, tu es toujours là, c'est moi qui te défends. Donc tu cherches les problèmes que moi je te défends. Écoutez bien, hein. Zoa, toi tu es venu te défendre là, avec ton visage comme une chèvre qui est en train de mourir là. Écoute bien, tu es venu, tu as mis ta bouche là, tu viens, tu écoute bien ta copine. C'est moi, tu vois comment nous avons insulté. Envoie-moi la vidéo que tu m'avais montrée là. Là où elle fait le pénis comme ça. Je ne veux pas montrer à Facebook, je ne veux pas partager avec quelqu'un. N'est-ce pas là que je laisse toi? Hein? Là aussi qu'elle commence à m'insulter encore. Voilà toi qui m'insulte, non? Tu ne dis rien, papy. Non. Envoie seulement là où elle se met le pénis. Ouais, papy. Ce soir, donc, à ce final, je termine, toi. Papi, là, je ne te comprends pas. Je ne te comprends plus du tout. Tu m'as montré une vidéo de Matt Chopard qui te suçait. C'est ça, non? Là, maintenant, là, je veux que tu m'envoies-moi. Là, maintenant, je veux que aussi. Là, maintenant, t'as payé. Papi, je te dis que si tu ne m'envoies pas ça, je te dis que on est 20 heures là. Je suis en direct, tu ne m'envoies pas ça. C'est que tu parles de mon gouvernement. Tu vois, tu me dis que tant mieux. Si tu me dis que tant mieux, mais tu ne seras plus jamais un de mes gouvernements. Ça veut dire quoi ça? Mon frère, toi et moi là, il faut qu'on parle vraiment. Non, quand tu fais n'importe bien, quand tu dis que tu es dans un gouvernement, hein,
et que tu as quelque chose qui peut faire taire notre gouvernement, tu me donnes. Parce que si toi, je me demande quelque chose un jour, tu ne m'as jamais rien demandé, papy, mais écoute, je me demande quelque chose, je veux m'efforcer de donner ça, la chose-là. Toi aussi. Je ne voulais pas que ça arrive là-bas entre toi et moi. Franchement, moi, je connais ma bouche. Je connais ce qui va se passer. Ça, c'est quand je lui fais les menaces, en fait, que voilà, elle ne me dit pas ce que je dois faire. Donc, elle se calme parce qu'elle a commencé à me parler comme si j'étais son enfant. Voilà. Donc, vous voyez un peu comment elle est impulsive. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu avec cette femme. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu avec. Quand vous venez parler, là, moi, je rigole. Je dis, ah, on vous donne cette femme une heure de temps. Vous ne pouvez pas. Elle est invivable, insupportable. Écoutez vous-même. Hein. Donc, les gens qui vont dire que j'enregistre, ça, c'est les échanges qu'elle m'envoie sur WhatsApp. Parce qu'il y a une période, je ne décrochais plus ses appels. J'ai dit, OK, je ne parle plus avec toi. Voilà ce que je lui laisse comme message. J'attends que l'abbé me réponde et moi, je ferai en direct. Ça, je suis tellement prêt. J'ai trop supporté ce jeu. Je vais faire mon direct. Ça, je vais faire mon direct. Les retombées vont retomber. Je n'ai rien à foutre. On verra qui est menteur. On verra qui est ridicule. On verra qui manipule les gens. Je ferai mon direct. Moi, je préviens toujours, je le ferai. Ça, ouais, ça la baisse, mais c'est une bonne chose. Est-ce que moi, je suis comment, si mon Raoua, où? Oui. Tu sais que je t'ai pas besoin d'appeler aujourd'hui. Bah, attends. Ma papy, tu es disjoncté. On te connaît, on me connaît. La baisse, la main, c'est un petit rigoula. Entre toi et moi, c'est un rigoula. Attends, fais attention. Et amène la vidéo, il a même qui va te clasher. D'accord? Clasher, non, non. On fait comme ça. Pas besoin d'envoyer ça à la veuve. Tu sais, je dis toujours, nous les Africains, les Camerounais, quand la personne ne va pas dans ton sens, moi ne me manipule pas. Tu m'as envoyé en voice que papy, pourquoi je ne t'inviens pas parce que l'abbé te clash. Je t'ai expliqué pourquoi. J'ai pris le temps d'appeler l'abbé. L'abbé, ce n'est pas mon ami. Je dis, je l'ai appelé. Être éliminé à quelqu'un ou clasher quelqu'un ne veut pas dire que tu n'es pas son ami. Je suis l'ami de tout le monde. J'ai toujours dit ça. Je ne suis pas dans le clan des haineux. J'ai appelé l'abbé, je lui ai donné des conseils comme un grand frère pour donner des conseils à son petit frère. Il m'a écouté, il m'a promis que papy, j'ai compris et je ne vais plus le faire. Je vais te montrer le message que l'abbé m'appelle le jour où tu fais la vidéo, tu montres où on est en train de lui parler et tout. Il m'appelle, il me dit, papy, voilà encore ta personne. Est-ce que moi je t'ai appelé pour te dire ça? J'ai gardé ça sur moi. Dans la vie, il faut respecter les gens. Toi, tu es toujours excité, tu vas faire le direct. Tu crois que moi, je ne peux pas faire le direct? Tu crois que moi, je n'ai pas les trucs pour te clasher? Il faut respecter les gens. Il faut que tu respectes les gens. Tu ne vas pas m'envoyer le voice, je vais faire le direct pour toi. Moi, je peux faire les trucs. Si je fais le direct pour toi, je sors tes archives. Les gens m'ont dit que c'est toi qui n'es pas normal, que tu as un problème qui te dérange. Moi, je ne suis pas là-dedans. Donc, vraiment. Vous voyez comment je suis honnête, en fait. Parce que pour les gens qui disent que j'enregistre, ça, c'est les échanges de voice. Donc, elle a perdu la tête. Je l'ai remise à la raison. Tu aurais dû m'appeler, me dire que voilà, voilà, voilà. Tu vas t'asseoir, tu fais le direct. Pourquoi tu vas faire le direct et venir encore m'expliquer les choses? Quand tu vas faire le direct pour montrer la vidéo de l'abbé, l'abbé m'a appelé, il était il était excité. J'ai dit, tu te calmes. Je vais t'envoyer la partie là. Est-ce que moi, je t'ai appelé pour te dire? J'ai calmé les choses. Mais pourquoi vous êtes toujours en train de faire les choses et puis vous réfléchissez après? Moi-même, je suis un malade mental. Hein. Je peux m'asseoir aussi comme vous tous les jours, je fais les directs. Hein. Je peux désactiver la vie de quelqu'un comme vous le faites. Hein. Donc, il y a des choses. Moi, quand je suis avec quelqu'un, je suis vrai. Je suis vrai. Tu es venu vers moi, c'est parce que tu me fais confiance. Tu pouvais aller voir des comptes, tu pouvais aller voir quelqu'un d'autre. Mais si ce que tu me dis, j'appelle quelqu'un, je dis, mon frère, la personne n'est pas bien, la personne est mal. Où est le problème à ça? Quand je verrai mon direct, je vais mettre les voix, je vais dire, vous-même, dites-moi où il y a les problèmes. Non, mais il faut éviter de chercher les problèmes, il n'y en a pas. Voilà, papy, je pense que je t'ai parlé, aujourd'hui on a parlé, grand frère. On a dit, voilà, 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 la veuve qui a fait sortir la vidéo. Moi, ça ne va pas me déranger. Hein. Au contraire, la procédure que je vais lancer, je ne vais pas louper. Ça ne va même pas louper. Ça ne va pas louper, papy. Moi, je ne voulais pas qu'on en arrive là. Elle a voulu qu'on arrive là. On va y arriver.
Et les gars sont ici au Maroc. Il est très facile pour les prendre dès lundi. Papy, la personne, tu vois comment papy de l'on... Comment la baisse va me suivre, tu ne dis rien. Je ne fais même pas un petit manifeste pour moi. Alors que moi, je suis là dans les réseaux sociaux, il y a un problème, je parle. Hé, papy. Hé, tu vois comment quelqu'un est de ma mère, les entrées de ma mère, de mes enfants, papy, tu ne dis rien. En tout cas. Donc, quand toi, tu vas provoquer là, moi, je vais défendre pour toi la veuve. Donc, quand tu insultes les mamans des gens là, tu insultes les mamans des gens là. Donc, toi aussi, tu as mal quand on insulte ta maman. Et puis, tu insultes ma famille, mais je ne vais pas tomber dans ton piège parce que j'ai la peine pour ta maman. Tu comprends? J'ai la peine déjà même pour tes enfants. Je t'ai dit que ce que tu as commencé là, tu vas finir. Je vais arrêter les vosses maintenant hein, parce que c'est tellement long et c'est sale même à écouter. Je t'ai dit, et vous-même, vous avez entendu comment je raisonne une personne. Elle est toujours en train de faire le mal. Elle va provoquer. Je ne suis pas ton cobaye, la veuve. Tu as vu ma force de femme. Moi, je ne parle pas beaucoup. Tu as vu mes archives. Et tout le monde que je suis allé faire la paix, demander pardon à ta faveur, m'a écouté parce qu'ils connaissent mon cœur. Donc, toi, quand on ne veut pas faire ce que toi, tu veux, tu es toujours en train de vouloir créer les problèmes, inventer les histoires, la veuve. Fais très attention. Je t'ai dit que où tu veux jouer là, ma chérie, je dis ça, Hora. Il n'y a personne sur Facebook qui me fait peur. Au contraire, moi, je peux détruire tous ces petits cafards de Facebook-là. Je ne cherche pas les problèmes. Mais quand je fais les problèmes, je le fais. Je te dis ça, Hora. Il dit, il n'y a personne sur Facebook qui me fait peur. Je suis chez moi, hein, mais j'ai dit, je contrôle où tu veux partir, là. Parce que c'est un terrain. Toi, tu es arrivé hier sur les réseaux, ma chérie. Tu es arrivé hier sur les réseaux. Tu ne connais pas comment ça se passe. Moi, je t'ai dit que ta vie, là, je vais te détruire. Et si je dois laisser ça, c'est 10 100 euros parce que j'ai investi sur toi. Et c'est comme ça, je ne tue personne. Donc, les ébréviers garés là qui vont venir là, vous allez recevoir le même traitement que cette disjonctée là. C'est comme ça. Parce que je pense, ça fait 7 ans aujourd'hui, on m'a collé une étiquette que je publie les gens. Vous avez compris qui publie les gens. Vous avez compris qui est haineux. Vous avez compris qui est méchante. J'ai toujours été avec elle. Vrai. J'ai toujours été avec elle comme frère et sœur. J'ai toujours défendu. Quand elle commence les problèmes là, elle n'a jamais fini. C'est moi qui finis ses problèmes. Aujourd'hui, tu veux t'attaquer à un lion, ma chérie. Le lion s'est réveillé. Il est retombé. Il est retombé là. Moi, j'ai pitié de toi. Parce que je n'ai même pas encore commencé. Dès que je vais mettre tout le monde qui a demandé pardon, quand je vais mettre tout le monde, je vais maintenant entrer avec toi en clash. Le clash, c'est qu'on va s'insulter. On va déterrer même les cadavres. Pour l'instant, je dois montrer la vérité aux yeux du monde entier. Qui tu es, parce que les gens ne te connaissent pas. Les gens ne te... Ouais, Zaveri, t'inquiète. Les gens ne te maîtrisent pas comme je te maîtrise. Tu montres une autre image de ce que tu es. Tu es de masque. Ton visage que tu as là, ce n'est pas ton visage. Tu as un autre visage en toi. Tu comprends un peu? Tu ne peux jamais salir ce qui est propre. On m'a donné les étiquettes ici. On m'a donné les noms. Oui, je fais ça, je fais ça. C'est toi. Les voix sont là. Où tu me demandes la nudité d'une femme comme toi pour publier, ma chérie. Est-ce qu'on fait ça? On ne fait pas ça. Tu veux toujours te montrer que tu es propre. Mais tu es trop sale. Tu es sale à l'extérieur. Tu es sale à l'intérieur. Je t'ai mis au défi. Dors dans ta chambre pendant 24 heures. Si tu le fais, je me déconnecte du Facebook. Je sais de quoi je parle, mais je ne vais pas venir l'exposer sur Facebook. Dors dans ta chambre 24 heures. Top chrono, tu mets le téléphone, tu dors pendant 24 heures. On voit comment tu dors. Tu te réveilles le matin. Je quitte le Facebook. Tout ce que Dieu a prévu me donner, qu'il ne me donne pas. Je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai quand même encore la crainte de Dieu. Il dit, tout ce que Dieu a prévu me donner, qu'il ne me donne pas, si je mens. Ta chambre, là, c'est ton totem. Tu ne peux pas fermer les yeux là-bas. Jamais. Tu sais ce qu'il y a là-bas. Et je ne vais pas ouvrir ma bouche pour dire ça. Donc, pour toutes ces personnes qui vont venir, gne, 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 match ou pas, tu as eu ton médicament. Et mercredi, je vais te donner le bon médicament.
Parce que quand vous ouvrez vos cabinets là, vous venez parler là, vous ne savez pas, vous ne connaissez rien. Je connais cette personne. Je maîtrise. Et cette personne ne va pas me pousser à bout parce que je me connais. J'ai les limites. Sinon, je devais faire l'assaut final depuis. Mais je ne veux pas entrer dans son jeu. Je suis là pour établir la vérité. Depuis ce que je fais, je mets les voix. Vous comprenez un peu? Parce que c'est le mensonge. C'est le mensonge. Comprenez un peu? C'est du gros mensonge. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut que chacun reconnaisse ses erreurs. C'est les erreurs qui font avancer un homme. D'accord? Voilà. Donc, la veuve, prends tes responsabilités. Tu as assez fait du mal. Tu peux te rattraper. Tu peux demander pardon à tous ces gens que tu as offensés. Et tu auras une nouvelle vie. Et si tu veux faire la guerre, on va faire la guerre. On verra qui aura honte. On verra qui sera ridicule. Moi, depuis que je parle avec preuve. Les voix, quand tu fais le congrès avec quelqu'un, c'est deux personnes. Vous avez vu les voix où je mets, où je suis en train de lui dire les vérités. Elle ne veut pas prendre ça en elle. Tu dis, j'enregistre. Tu es normal dans ta tête. Donc, quand tu fais un voice, tu envoies quelqu'un, la personne reçoit le voice enregistré. Tu fais du n'importe quoi, invente du n'importe quoi. Je n'entre pas dans ton jeu. Je n'entre pas dans ton jeu. J'ai dit, tu pousses, je pousse. Tu pousses, je pousse. Et à chaque fois que je pousse, je mets les preuves. Je n'invente pas comme toi. Tu comprends un peu? Je ne suis pas là pour ça. J'ai mieux à faire. Je n'invente pas. On dit, quand tu veux faire la guerre, rassure-toi que tu as les munitions. Voilà. Et ce que je vais te faire, tu ne sais même pas ce qui arrive. Parce que tellement tu es drogué, tu perds la tête, tu fais des choses, tu oublies. J'ai pas envie de commencer maintenant. Quand je vais mettre deux bancs, j'ai bien peur de ce qui va t'arriver. Pour le moment, je suis encore diplomate. Je me retiens. Je respecte les femmes. Je parle encore comme un frère. D'accord? Mais quand mes limites là auront, ma tête aura les limites. Ah, vous me connaissez, hein? Ah, ça va sortir comme ça sort et je m'en fous des dégâts. Je veux te faire ce que tu as fait aux autres. Tu auras ton karma. Je suis pas là pour le clash. J'ai pas encore commencé le clash. Quand je vais commencer le clash, tu seras vraiment déçu. Parce que toi, tu aboies, mais tu ne mords pas. Tu aboies, tu ne mords pas. J'étais ton plié, j'étais ton homme fort. Tous les clashs que tu as à faire, c'est moi qui finissais tes clashs. Tu n'avais pas de force. Tu commences, mais tu n'arrives pas à être résistant. Le clash, c'est la résistance, ma chérie. Ma guerre que je commence avec toi, j'ai dit pendant un an, les voix que je mets là, je peux mettre chaque fois les nouveaux voix. Les nouveaux voix, les nouveaux voix, les nouveaux voix. Voilà. Donc fais très attention, ma grande. Où tu veux jouer là? Quand tu as une conscience, quand tu restes seul, tu pleures parce que tu aimes beaucoup pleurer. Ces gens-là, les internautes, ne sont pas là. J'ai vécu avec toi, la veuve. Arrête de faire ce que tu fais. Tu titilles et tu sautes beaucoup. Fais très attention. J'ai pas envie. J'ai encore un peu d'estime. Parce que j'ai passé avec toi. J'ai encore cette estime. Parce que je connais ta souffrance. Mais, deux fois ta souffrance, là, c'est où tu fais des choses. On s'est dit que tu es drogué. Non. Ah non, ma chérie, je ne vais même pas te donner un peu de l'air. Ah non, 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 non. Donc, c'était juste pour attirer l'attention de Zoa. Je vais faire un direct pour toi, mercredi Zoa, avec ton ordonnance. Je ferai un direct avec ton ordonnance. Donc, il y aura l'ordonnance, toi, tu vas prendre tes médicaments et tu vas te calmer. Parce que c'est bien beau toujours de venir dire, il faut laisser, il faut laisser. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et rester scotché. Parce que toute la, on dit la Coupe du Monde là. C'est long, il y a le groupe A, B. Donc, on va jouer ça. Vous êtes des chômeurs, vous n'avez rien à faire. Vous allez être là ces mois-là. Vous allez regarder ça. On a besoin des spectateurs. Donc, sur ce, je vous souhaite
vont depuis 2 semaines. Il n'y aura pas de paix. Demain, on continue l'autre épisode. Et tant que si elle fait un direct là, même si c'est à 2 h du matin, envoyez-moi seulement le message qu'elle a fait le direct. Je veux m'asseoir, je fais. C'est comme ça, j'ai dit, elle pousse, je pousse. On va, je pisse pion là. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je vous laisse et puis je vous souhaite bon début de semaine.